Good morning, allez, Yidden et Tusra aujourd'hui, le Nishmat Yaakov Ben Isha, Avram Chayan Ober Ben Fortune, Mazal Yidid, Tobat Esther, Rabat Otova, et Rachamim Menroza, si vous souhaitez aussi déjeuner en prochaine étude de Mishnah. Contactez-moi 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet, Bechorot, Berektet, Mishnah Zain, Ketsad, Me Asram, Konsan, Ladir, Ve Oselahen, Petar Katan, Kede Shelo Yush, Naim Yicholim, Latset Kiachat. Umone Bashevet, Echad, Shnaim, Shlosha, Arba, Un, Chamisha, Shisha, שבעה, שמונה, תשעה, והיוצא העשירי, סוקרו בסקרה, ואומר הרי זה מעשר. לא סקרו בסקרה, ולא מנם בשבט, או שמנם רבוצים, או עומדים, הרי לא מאוסרים. היה לו מאה ונטל עשרה, עשרה ונטל אחד, אין זה מעשר. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, הרי זה מעשר. קפץ אחד מן המינויים לתוכן, הרי אלו פטורים. מן המאוסרים לתוכם, כל הנראו עד שיסתעבו, ויאכלו במומן לבעלים. למשל מרסן, כיצד מעשרן, נעודה שסכם מנועם פרלה, לא גמרנו תפילו בית פרק, כסכונה פוזה דו מעשר, כאן איפה פרלווה את עושה, מנועם ופרלה, קונקרטמו, כמו שפרלווה. אלור, למשל מרסן, קונסן לדיר, תפילי רעיני תוז, דנזר נוקלו. ועושה להן פתח קטן, ותו לא פעמים פטיט פורט. כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחת. אפן כי נהיה פעד דוז אלימו כיפב סורטיר אנסון. מנס כאילו פובר סורטיר, אין אפרי לא טריניקו. הוא מונה, אי קומנס הקונטה. הוא מונה בשבט, אי קונט אבק סון בטון. זה פעם פרסיזה קומנס קונט אבק לבטון. J'ai en tête, je ne sais pas d'où ça est venu en fait, quoi, qui met le bâton et qui les fait passer en dessous. Pas qui commence, qui leur met un coup de bâton à chacun, je ne sais pas. Interprétez-le, il faudrait voir dans les psukim en fait. Je n'ai pas pensé à le faire avant le cours, mais il est déjà 2h du matin, je n'ai pas envie de traîner plus. Vérifiez dans la Torah et dites-moi ce qu'il y a écrit. Donc, Omone, il compte avec son bâton. Peut-être qu'il met le bâton et qu'il le fait passer et qu'il leur tape un petit peu sur la tête. Et il leur dit Echad, 1, Shnaim, 2, Shlosha, 3, 4, 5. Arba, Hamisha, Shisha, Shiva, Shmona, Tisha, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. La Yotze Asiri est celui qui va sortir le dixième. Sokro Besikra, il lui met un petit coup de. Il le badigeonne avec un pinceau rouge. Sikra, c'est une encre rouge. D'accord, on s'en a ramé un, peut-être je sais pas le. Ouais. C'est pas précisé exactement d'où ça vient d'origine, en tout cas, bon, c'est du rouge. Véomer, et il dit Areize Maaser. Celui-là sera le Maaser. Maintenant, bien évidemment, tout ça, c'est a priori pour faire bien joliment, avec splendeur. Mais l'Oscaro Bessica, si toutefois il n'a pas mis le coup de rouge, Vélomnam Bachevet, où il ne les a même pas comptés avec son bâton, il n'avait pas de bâton, il les a comptés 1, 2, 3, sans les toucher, sans rien. Oshemnam Revutsim, au même lieu que ça. Ils étaient tous couchés, la dimanche, je me prévais le dixième. Il les a même pas fait marcher et défiler. Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a dit, allez, toi, tu vas être le maaser. Ou encore, donc, au Shnamnam Revutsim, au Omdim, ou encore, même s'ils étaient debout. Arre, Elou, Meusarim. Tout cela auront un statut de maaser. Il n'y aura pas eu de problème à postérieur. Ayalo, Mea, Venatal, Asara. Par contre, s'il en avait 100, il sait qu'il en a 100 parce qu'il les a comptés, mais il ne les a pas comptés dans le but d'en faire un maaser, juste pour les dénombrer. Après, il a calculé, il a vu dans ce compte. Ah, j'en ai 100. Bah, très bien, donc il m'en faut 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Allez, les 10, c'est eux les 10 korbanot. C'est eux les 10 maaser. Ou encore, tout simplement, il en a eu 10 qui sont nés. Mais il ne les a pas comptés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. C'est toi qui seras la Syrie et Kodesh. Et toi, tu seras Kadosh. Non, il n'a pas fait comme ça. Il a dit, ah, il savait qu'il en a 10 parce qu'il en a 4 ici et 5 ici. Donc il en faut 1, il en a pris 1. Il a dit, allez, arrêtez maaser. Est-ce qu'il s'acquitte ou non, la Mishnah enseigne? Eh ben non, ça marche pas. Enze maaser, on ne s'acquitte pas du maaser comme ça. C'est déduit du basou que à Siri y est Kodesh dans l'écran Chavzaïn, dans Bechukotai. Eh ben, tout à la fin, on avait dit la fin de Bechukotai, quand vous lirez la paracha, les autres j'aime. Eh bien, cette paracha tâche à voir, en fait. Eh bien, en tout cas, vous comprendrez à la fin qu'il y a marqué à Siri et Kodesh le dixième sur la Kodesh, donc ça veut dire que tu as compté le dixième. Donc il a fallu compter. D'accord ? D'où la nécessité de dénombrer. Il n'y a pas juste de prélever le dixième. Pour le maaser d'Ema, bien sûr. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, son nom Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, eh bien, arrêtez maaser. Non, même si tu as pris 1 parmi les 10 ou 10 parmi les 100, sans compter un droit de 9 et le dixième, tu le rends kadosh, dans tous ces cas de figure, malgré tout,
tu t'acquittes du maaser. Déduis ça dans le Bartenora, du fait que le maaser, on peut le prélever même bémarchava, même simplement par la pensée, sans concrètement exprimer, donc il déduit qu'il en va de même, ou même plus forte raison, finalement, si on a juste pris un dixième sans dénombrer. Nouveau sujet maintenant. Kafatz echad menamenuim le tochan are elupturi. Sujet un petit peu délicat, pas tellement. Ça y est. J'étais en train de compter. J'avais mon enclos qui était là. Et ils devaient tous passer sous mon bâton. Et je les fais passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, d'un coup, il y a un 8, un petit mouton voyou, qui se met à ressauter dans l'enclos. Il va en plein milieu, il se fond et je ne sais pas qui est qui. J'essaie de le chercher, je ne reconnais pas. Je suis bloqué. Et bien dans ce cas-là, il y en a un particulier, c'est que celui-ci a dispensé tout le monde de la mitzvah du maaser. Je ne pourrai plus prélever le maaser parmi eux, parce que la Torah m'a dit à Asiri yé kodesh, Asiri vadaï velo Asiri safek. Ceux qui ont déjà étudié le début de Baba Messia dans le premier d'Apim, dans Tokfa Kohen, c'est d'Avav, et bien on évoque là-bas cette halakhala de Asiri yé kodesh, Asiri vadaï velo Asiri safek. Il faut que tu le prélèves de manière à ce que le dixième, il sera sur un certain dixième. Mais si le dixième qui sera dixième, il ne sera peut-être pas dixième, parce que peut-être que finalement, c'est celui qui a déjà été dénombré, donc qui a été dispensé quand tu as dénombré 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces neuf-là, maintenant, ils sont dispensés complètement de la mitzvah du maaser. Ils ne peuvent plus se faire compter avec d'autres animaux. Ils ont déjà été dénombrés et acquittés. Donc de ce fait, la Torah m'a dit le dixième et pas Asiri Vadaï, celui qui sera Vadaï, certainement Asiri. Et pas s'il y a un doute, tout est tombé à l'eau, il n'y aura plus de mise à demain. Certes, tu pourras manger tout ton troupeau sans leur faire la. Sans en les prélever du tout. D'accord ? Arrête l'obturie. Donc, ça, je reprends la phrase encore une fois. Kafat echad mina menuim le tochan. Il a sauté un de ceux qui a été dénombré, donc parmi les neuf premiers par exemple, les tochan, il a ressauté dans l'enclos au milieu des autres animaux qu'il devait compter. Eh bien, arrête l'obturie, et voilà qu'ils sont tous dispensés de prélever les tromotomas. De prélever les. Par contre, cas particulier, Miname Usari Netohan, moi j'étais en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis le dixième je le mettais derrière moi. Et là, le coquin il est tombé chez le dixième, chez celui qui était Kodesh. Et là-bas de lui il a ressauté dans le troupeau. Alors là on a un problème. Je peux au plus prélever le troupeau, mais malgré tout je pourrais pas le manger parce que dès que j'ai appelé dixième il est devenu Kadosh, il a eu une douche de maaser, donc qu'est-ce que je fais? Je peux plus l'égorger maintenant, ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je renseigne. Donc, Miname Osarin de Toran, s'il y en a un de ceux qui a été prélevé, qui a ressauté à l'intérieur de l'enclos, eh bien, Kulam et Ruachista, vous tous devront maintenant, on devrait les laisser paître dans les champs, jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut, qu'ils vont être Meso Avim, ils vont être répugnés par le Misbeach, ils ne sont plus aptes à montrer sur le Misbeach. Et lorsqu'il va avoir un défaut, qu'il ne va plus être plus apte à montrer sur le Misbeach, eh bien, dans ce cas-là, Yachelou, Bemouman et la Be'alim, ils pourront de ce fait être consommés par le propriétaire. Lorsqu'il aura le défaut. C'est-à-dire, c'est une notion très simple. J'ai, et d'abord, peut-être qu'il aurait fallu le dire un peu avant, que le maaser Behema, c'est vrai qu'il y a une doucha qui en fait un corban. Dès qu'il va avoir un défaut, j'ai pas de nécessité, j'ai même pas de possibilité même de racheter cette doucha sur un autre animal. Cette doucha, elle s'est évaporée, et puis je peux maintenant le manger au même titre que le Bechor du Kohen. Le Bechor, je le donne au Kohen, il doit en faire un corban. Si toutefois il va avoir un défaut, eh bien, le Bechor, le Kohen, il va pouvoir le manger. Même principe avec le maaser Behema. Sauf que cette fois-ci, ça me concerne à moi, le propriétaire. Le maaser Behema, une fois que je l'ai prélevé, normalement il est kadosh, c'est moi qui dois le prendre à l'amener à Yerushalayim. Il y a eu un problème chez lui, eh bien il me revient de droit. Ça c'était pour le din général. De ce fait, lorsqu'il va y avoir un des moutons qui a été prélevé pour le maaser Behema, qui a ressauté dans l'enclos, eh bien il faudra donner la rigueur de cette. Il faudra lui donner. Oui, on va avoir compris quoi. Il faudra redonner toutes les lois rigoureuses du Bechor à tout le troupeau, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc il faudra attendre qu'ils aient tous un défaut. Dès qu'il y aura un animal qui aura un défaut, je pourrai le prendre et je pourrai le manger. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tzvachakol Tov. Salam.